Denis Pral mette face à face plusieurs groupes élèves qui sortent dans plusieurs écoles dans la capitale. Là. C'est Pral une opportunité pour élèves ça yo, mettre en valeur compétences avec intelligence et travaille pour remporter Grand Prix Télégénie 2018. Là. Nous avons eu une chance de passer quelques dans l'école qui est alignée pour la compétition. Particulièrement, nous avons eu parler avec le directeur de l'école et capitaine d'équipe qui t'a expliqué nous qui sa participation dans Télégénie représente pour yo et comment il a préparé yo pour bailler belle performance pendant toute match. Dans quatre virons équipe Télégénie t'a fait pour visiter l'école qui a participé dans l'émission à ça, nous t'ai fait un petit campé dans le collège Canada haïtien côté nous t'ai une chance rencontrer l'équipe qui pral représenter l'école là. J'aurais pas hésité à exprimer tout niveau motivation yo pour participer dans l'émission à Anessa. Et yo t'ai exprimé tout contentement yo pour décision télévision en prend pour retourner à Télégénie à Anessa. Après, elle t'a fini faire un petit campé dans la programmation télé pendant plusieurs années. Nous sommes ravis de notre participation. Ça fait un bon nombre d'années que la compétition donc l'été a commencé, l'été a fait un campé. Et puis en plus de ça, Canada, donc t'a fait un nombre de temps que le participe. Participer tout. C'est avec toujours même état d'esprit, hein? Donc un état d'esprit que nous venons participer dans la compétition pour nous gagner, pour arriver à la victoire. Donc c'est avec même état d'esprit ça que nous trouvons nous là, que nous allons entamer la compétition dès demain. L'important c'est que le concours Télégénie, télévisé, gagne pour nous-mêmes. Donc c'est que donc, à travers l'image ça, que Radio Télévision Nationale, donc à bail l'autre monde possibilité pour capable donc c'est que nous mêmes des joueurs des jeunes du pays donc et n'a un modèle c'est un message c'est un exemple que n'a voyé by l'autre monde qui a gagné tout garder nous tout donc à savoir importance éducation gain dans la vie à toute jeune qui a bien pour gagner nous très bientôt sur télévision nationale d'Haïti donc n'a dit yo donc prend éducation au sérieux. Donc, toujours travail, pas découragé, donc pas gagner rien que fait sans éducation. Nous souhaitons que dans la finale, au sacre Canada champion Télégénie 2018. C'est ça qui est principal à tête nous. Lycée de Pétionville, c'est parmi 12 écoles qui ont participé dans l'émission Télégénie à Nessa. Il est dans le groupe A et a préparé pour le premier match compétition. Nous avons passé dans le lycée A, nous avons eu une chance de parler à capitaine équipe là et puis directeur de l'école là. Yo t'a expliqué nous qui ça représente pour eux pour participer dans Télégénie et comment il a préparé pour le match. Yo. La souhaité l'école la championne. Championne. Ça c'est le premier souhait. Et deuxième souhait, donc on sait chaque année qu'on est capable de marquer lui, que nous gagnons de petits monde qui sont réellement intéressants. Et moi félicite en pile et fier de eux. Parce que vous constamment à venir en direction, à demander soutien direction pour procurer des documents que vous avez besoin. Pour être capable de faire recherche approfondie, pour être capable d'aller affronter l'autre élève, l'autre école qui attend dans la compétition. Donc nous avons déjà dans l'école une cellule de jeunes qui constituent ça les génies en herbe et gagnons activité interclasse. En dans l'école là, et à travers l'activité génie interclasse, là, nous déterminons équipe formation. Je dirais capable jouer compétition avec l'école au dehors. L'école c'est un espace de socialisation. L'on embrasse étude ou prend l'école au sérieux, advienne que pourra réussir dignement et honnêtement. Préparation équipe là, c'est une préparation que nous faisons en accord. Premièrement, c'est moi-même qui coach avec capitaine non et puis direction. Nous préparons équipe là en ce qui concerne par exemple, des documents, nous besoin des méthodes de recherche. Donc, ça, c'est direction qui fournit. Et puis, pour préparation équipe là, non, bon côté PAM, moi, en parfait accord ensemble avec coach là, ça veut dire nous toujours réunis, même que moi pas là chaque jour, mais parfois nous fait coach là réunis ensemble avec joueurs. Parfois, nous fait des ateliers de travail côté, nous a posé l'autre question. Et puis, moi toujours motivé. En ce qui a rapport avec la psychologie et puis tout, qui ça pour étudier, moi essayer de faire plein d'études là pour eux, essayer d'orienter de différentes façons qui j'en pour aborder compétition. Nous très optimistes, nous sommes tous joueurs, nous très optimistes, parce que nous habitués à participer dans ce genre de compétition. L'année dernière, nous avons participé dans une compétition qui s'est Interlos en action. Donc,
Nous avons 4 membres dans l'équipe là, ils ont fait partie de l'équipe là. Donc, ce sont des champions, ils ont habitué champions et ils ont consacré les champions. Donc, c'est ça nous fait dans le lycée à chaque année, nous organiser les gens du concours. Ça. Donc, l'équipe là, nous très positif, tout le monde, le directeur là, nous croyons dans la tête, nous et chaque joueur, nous croyons dans la tête, le capitaine là, qui est super motivé. Donc, nous pensons que nous sommes très optimistes et nous pensons que nous sommes prêts pour nous affronter l'équipe qui prend la face de nous. Télégénie est bel et bien de retour sur la télévision nationale d'Haïti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de ce grand jeu éducatif de la télévision nationale d'Haïti. Télégénie est un jeu questionnaire qui invite les différentes écoles du pays à mesurer leurs connaissances et à accroître leur compréhension de notre environnement socio-culturel. C'est une activité qui s'inscrit dans la perspective de rendre notoire le talent et la compétence de nos jeunes écoliers. Fondé sur la connaissance et la culture générale, le jeu couvre la grande majorité des domaines de la connaissance humaine, soit des sujets aussi variés que les mathématiques, les langues, les sciences pures, les sciences humaines et sociales, les arts et la culture classique et populaire. En ce sens, plus que de former des perroquets savants, Télégénie 2018 se propose de développer des jeunes citoyens haïtiens ouverts sur le monde, s'intéressant à plusieurs sphères de la société dans laquelle ils vivent. En somme, nous voulons amener les adeptes du jeu à développer leur culture générale. Par son aspect compétitif, Télégénie 2018 peut être considéré comme un sport, puisqu'il transmet à ses adeptes des valeurs telles que l'esprit de saine compétition, l'esprit d'équipe, le respect des adversaires et le goût du dépassement. Outre son aspect compétitif, qui est le plus visible à première vue, Télégénie 2018 aura surtout comme mission de développer la culture générale de ses participants. Il faut mentionner par la suite son aspect pédagogique qui vient compléter les programmes éducatifs des écoles secondaires du pays. Il permet de transmettre des connaissances d'une part et d'autre part de compléter celle acquise dans le cadre des cours magistraux. Et là, ce soir, nous sommes donc très heureux de vous retrouver sur la télévision nationale d'Haïti pour ce premier numéro. Déjà, chapeau et bravo à toute l'équipe de la télévision nationale. Chapeau et bravo aux 12 établissements scolaires. Chapeau et bravo à nos partenaires. Et là, nous citons l'Office national d'assurance vieillesse, la World Vision, Sur Table et Mode 31. Nous tenons à saluer la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre Josué Agénor Cadet. Alors, merci à notre cher public, merci à vous qui suivez ce premier numéro de Télégénie 2018. Et sans plus tarder, nous allons lancer en entonnant l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. Veuillez adopter, s'il vous plaît, la position verticale. Pour Haïti, pays sincère, c'est pour ma chère, mais non la mère. Dans les temps, passage, pour guérir, nous serons serrés, en nous marcher, c'est non la mère. Pour Haïti, la vie Rassoyez-vous. Le décor est bien planté et là, Télégénie 2018 est donc au rendez-vous sur la télévision nationale d'Haïti.
Et pour lancer ce jeu de génie, nous avons l'heureux privilège d'accueillir sur ce plateau le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Pierre Josué Agénor-Cadet, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci de votre présence. À cette belle occasion qui m'est offerte, je veux saluer toute l'assistance sélecte présente dans l'enceinte de cet auditorium. Ma prise de position dans ce grand événement, qui se veut bien sûr d'être simple, va être très longue parce que je vais dire seulement trois mots. Mesdames, messieurs, les représentants des établissements scolaires, notamment des 12, Madame la représentante de l'OMRH, la très belle équipe de la télévision nationale d'Haïti, chères collégiennes, chers collégiens, chères lycéennes, chers lycéens, en gros, chers élèves, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un sentiment de fierté et de joie que je suis là à ce présent moment pour lancer ce premier numéro de Télégénie. Télégénie qui est appelé à porter les jeunes à mettre leurs connaissances en compétition, à augmenter leurs connaissances. Mais j'avais dit que j'allais dire seulement trois mots. Le premier mot, c'est à l'adresse de la Télévision nationale d'Haïti pour dire un grand merci à cette institution qui a pensé à organiser Télégénie 2018 au service des jeunes. Si aujourd'hui nous disons non au plaisir malsain pour les jeunes, il nous faut leur trouver d'autres initiatives. Et c'est ce qu'a fait la Télévision nationale d'Haïti. Merci et félicitations à cette belle équipe de la Télévision nationale d'Haïti. Le deuxième mot s'adresse à ces 12 établissements scolaires et à ses élèves qui ont participé, qui sont là, du moins, pour participer à Télégénie 2018. Vous avez fait le bon choix. Il n'y a pas trop longtemps, sur une tribune au Sénégal, je disais qu'il faut donner aux jeunes la possibilité de choisir leur avenir. Et c'est ce que la Télévision nationale d'Haïti est en train de faire ici. Le troisième mot, c'est pour dire félicitations et compliments à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont compris la nécessité d'aider la Télévision nationale d'Haïti à faire ce grand exploit. Enfin, mesdames et messieurs, sur ce, je déclare lancer Télégénie 2018. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le ministre. Et là, nous allons accueillir le maître de cérémonie, sinon le présentateur de cette édition. Il sera avec nous tout au long de la compétition, bien entendu. Il répond au nom de Jean-Jeff Lefebvre. Et c'est à lui que revient l'honneur cette année d'assurer la présentation de l'édition 2018 de Télégénie. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de chaleur, nous accueillons Jean-Jeff Lefebvre, le présentateur de la première rencontre.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à Télégénie version 2018. Eh bien là, vous vous apprêtez à suivre le match inaugural de la compétition. Donc c'est une rencontre qui va opposer sur le ring du savoir, sur le ring de la connaissance. Ça ne va pas être un combat de corps à corps, hein. Combat corps à corps. Donc ça va être une confrontation de la connaissance, du savoir, tout simplement. Donc le match inaugural, ça va opposer l'équipe du collège canado-haïtien à l'équipe du lycée de Pétionville. Donc nous demandons rapidement aux joueurs de ces différentes équipes de nous rejoindre maintenant sur le podium. Donc nous vous attendons ici pour pouvoir procéder aux présentations régulières. Donc Télégénie 2018, c'est définitivement lancé, c'est le grand coup d'envoi. Donc merci à vous tous et à vous toutes d'être là, ici à l'auditorium de l'ONA. Et merci à vous également, téléspectateurs, téléspectatrices de la Télévision Nationale d'Haïti. Voilà les deux équipes qui nous rejoignent ici. Merci, merci, merci. Tout le monde est là. Donc on a le Collège canado-haïtien. Applaudissements s'il vous plaît. On a le lycée de Pétionville, public. Ah là là. Ah là là. Et à présent, chers téléspectateurs, assistants, vous allez découvrir, vous allez faire connaissance à nos joueurs. Nous commençons par l'équipe A, bien entendu. Donc le capitaine de l'équipe A va nous présenter son équipe, le nom de chaque joueur. Monsieur, à vous la parole. Merci, je dis bonsoir à tout le monde. Je suis le capitaine du collège canado-haïtien. Rapidement, je vais vous présenter les différents joueurs de l'équipe. Donc d'abord, à côté de moi, il y a Olivier Albertini, élève de philo. Ensuite, il y a Bélange Samy, élève de Réto. Après, il y a Mademoiselle Charles Abigail, élève de Réto. Laporte Bradley Aniel, élève de Réto. Et moi, je suis en philo. Voilà, nous venons de faire connaissance aux joueurs de l'équipe du Collège canado-haïtien. À présent, c'est votre tour, messieurs du lycée de Pétionville. Bonsoir tout le monde. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est bien Pierre Eichenbiov Potanski. Je suis le capitaine de l'équipe du lycée. J'ai à côté de moi M. Emmanuel Maurice, élève du philo. Louis-Jean Wensky, NS4, Ernest Jonathan, 9e. Et après, on a Kenley, qui est aussi élève du philo. Voilà, donc c'était là le lycée de... Le lycée de Pétionville, donc confrontation, premier match de la compétition de l'édition 2018 de Télégénie. Donc vous ne paniquez pas, hein. On va commencer, mesdames et messieurs, téléspectateurs, assistants. Donc, nous avons plusieurs catégories. La première question concerne juste une petite mise en jambe. Hein. C'est une question de sigle. On commence avec l'équipe A, Collège canado-haïtien. Donnez la définition du sigle suivant, FIDA. C'est 10. 10 coups. Donc voilà. Donc est-ce que vous voulez essayer? Vas-y, allez-y. Internationale de développement agricole. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Fédération internationale de développement agricole. Malheureusement. Malheureusement. C'est Fonds international de développement agricole. C'est pas une fédération. Un fonds, c'est pas une fédération, hein? Ouais. Maintenant, vous avez votre question là.
vous avez votre question. Donnez la définition du sigle suivant. APAC. APAAC. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que vous voulez répliquer? Non. Donc, c'était Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques. C'était la PAC. Voilà. On passe à une autre catégorie. C'est la catégorie des sciences, dans laquelle nous avons trois disciplines. Nous avons les maths, nous avons l'économie et nous avons la chimie peut-être. On va voir. Est-ce que vous êtes là, équipe A, Collège Canado-Haïtien? Nous sommes en statistique. Quelle formule utilise-t-on pour calculer l'écart type? A, écart type est égal à variance moins 2. Écart type est égal à variance au carré. C, écart type est égal à racine carrée de variance. Bon, s'il vous plaît. Petit A. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que vous voulez essayer? Donc voilà, c'était racine carrée de variance, c'était petit C. Votre question à présent, quelle formule utilise-t-on pour calculer la moyenne? A, quotient de la somme d'une série d'observations par leur nombre. B, variance au carré. C, racine carrée de variance au carré. C'est la bonne réponse. Voilà. C'est la bonne réponse. Voilà, 30 points, 30 points jury, 30 points pour le lycée national de Pétionville. C'est le quotient de la somme d'une série d'observations par leur nombre. Catégorie sciences naturelles, nous sommes toujours en sciences. Catégorie sciences naturelles, la première question va être adressée à l'équipe du Collège Canado-Haïtien. Nous sommes en sciences naturelles. Écoutez bien, ce sont des organites intracytoplasmiques appartenant au système endomembranaire contenant des enzymes qui dégradent de nombreuses molécules biologiques. Ils se trouvent dans toutes les cellules, mais sont plus abondantes dans les cellules responsables de la défense de l'organisme ou des cellules très spécialisées comme les ostéoclastes. De quels organites parle-t-on? Le lysosome. Vous avez dit quoi? Lysosome. C'est les lysosomes. 30 points pour Collège Canado-Haïtien. La question de sciences naturelles qui revient normalement au lycée de Pétionville, ce sont des organites cellulaires dont l'ensemble constitue le chondriome qui sont impliqués dans les conversions énergétiques résultant de la respiration cellulaire. Au cours de ce phénomène, l'énergie libérée par l'oxydation des substrats organiques est mise en réserve sous forme d'un composé à potentiel énergétique élevé, l'ATP, par phosphorylation de l'ADP, et donc décrit sous le nom de phosphorylation oxydative. À quels organites fait-on allusion? Mitochondrie. C'est la bonne réponse. Trois points à l'équipe du lycée de Pétionville. Nous sommes maintenant en économie, sciences sociales, quoi. L'équipe A, est-ce que vous êtes prête? Il s'agit d'une activité économique exploitant les ressources des facteurs de travail, du travail et du capital, dans le but de réaliser des biens ou des services à partir des consommations intermédiaires. Cette activité s'exerce dans le cadre d'une institution de type entreprise, administration ou encore association. De quelle fonction économique parle-t-on? Industrie? Non. Entrepreneuriat? Non. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. C'était la production.
Nous sommes en économie. L'équipe, la question B pour l'équipe B, c'est l'acte par lequel une entreprise dépense de l'argent pour en gagner plus. Au contraire d'une charge qui est la résultante de l'exploitation, c'est un engagement de l'entreprise et de ses actionnaires. Il peut par exemple consister en l'achat de machines plus performantes ou en l'ouverture de nouveaux points de vente. À quelle fonction économique fait-on allusion? Le gosse, s'il vous plaît. Investissement, c'est la bonne réponse. Trois points au lycée national de Pétionville. 30 points au lycée national de Pétionville. Et là, nous sommes en actualité. Est-ce que vous êtes, vous vous connaissez en actualité? Vous nous faites nouvelle? Ok, on va voir ça. L'équipe A, s'il vous plaît. Question d'actualité internationale pour vous. Équipe A. Une fusillade a fait pas moins de 17 morts dans une école aux États-Unis, plus précisément en Floride, le 14 février 2018. Cette 18e fusillade en milieu scolaire depuis l'année 2018 a accusé un jeune écolier de 19 ans. Quel est le nom du lycée qui a été touché par cette tragédie? Vous attendiez que je vous demande le nom de... Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que vous voulez essayer? Non. Je peux vous le dire. C'est le Marjorie Stoneman Douglas. C'est le nom du lycée. Le lycée de Parkland. Il est né, question d'actualité internationale pour vous, il est né le 1er octobre 1966 à Monrovia, une zone au Libéria. Ancien footballeur international, il a remporté le Ballon d'Or en 1995 comme meilleur joueur évoluant en Europe. Élu président du Libéria lors des dernières élections du 26 décembre 2017, il a investi le pouvoir le 22 janvier 2018. De qui parle-t-on? George Weah. George Weah, c'est la bonne réponse. George Weah. Nous sommes toujours en actualité, cette fois actualité nationale. Ce qui se passe chez nous. Haïti vient de recevoir la 29e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM les 26 et 27 février dernier. Précisez le nom du secrétaire général de la CARICOM. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Non. Ben, votre question d'actualité nationale à présent. Le ministre haïtien de la planification et de la coopération externe vient de suspendre provisoirement le permis de fonctionnement d'une organisation étrangère sur le territoire haïtien pour abus sexuels sur mineurs. Il s'agit de quelle ONG? Oxfam. C'est l'Oxfam. Voilà. Merci. Et là maintenant, nous allons passer à une autre catégorie. C'est la catégorie des sports. Elle est la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis masculin par équipe. Créée en 1900, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis, initialement appelée International Lawn Tennis Challenge. Elle n'oppose d'abord que la Grande-Bretagne et les États-Unis et ne s'ouvre à d'autres nations qu'à partir de 1904. Elle ne prend son nom actuel qu'en 1945, après la mort de son créateur depuis 2017. Elle est également nommée Coupe du monde de tennis, tout comme la Fed Cup, qui est considérée comme son équivalent féminin. De quelle compétition sportive s'agit-il? Wimbledon? Non. Flushing Meadows? Non. Vous voulez essayer? Oui. C'est la Coupe Davis. C'est la Coupe Davis! Voilà.
Voilà. Deuxième question de sport au lycée de Pétionville. Deuxième question de sport. C'est un tournoi de tennis sur terre battue créé en 1925 et qui se tient annuellement depuis 1928 à Paris. Il succède au championnat de France créé en 1891, organisé par la Fédération française de tennis FFT. Il se déroule sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Il est l'un des quatre tournois du Grand Chelem, le deuxième dans le calendrier après l'Open d'Australie en janvier. Dans le monde du tennis à majorité anglophone, le tournoi est aussi connu sous le nom de French Open. Depuis 1968, première année de l'ère Open, à quel tournoi de tennis fait-on allusion? Roland Garros. C'est la bonne réponse. C'est le Roland Garros. Question d'histoire à présent. Première question qui va être adressée à l'équipe A, le Collège canado-haïtien. Il fut élu président de la République d'Haïti à deux reprises et a pu boucler ses deux mandats. Agronome de profession, il a succédé Martial Célestin à la primature. Mort à 74 ans d'une détresse respiratoire, il a été enseveli. Dans sa terre natale, il s'agit de l'ancien président René Préval, bien entendu. Ce n'est pas le nom qu'on va vous demander. Donnez la date exacte de son décès. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Oui. Vas-y, allez-y. 3 mars 2017. Nous sommes le 3 mars et c'est le 3 mars 2017. Deuxième question d'histoire pour lycée de Pétionville. Il est né à Port-au-Prince le 3 juillet 1951, investi du pouvoir à l'âge de 19 ans. Il l'a perdu 15 années plus tard, soit le 7 février 1986 par un mouvement de renversement. Parti le même jour pour 25 ans d'exil, il revient au pays le 6 janvier 2011, décédé à l'âge de 63 ans à la suite d'une crise cardiaque. Ses funérailles ont été chantées à Port-au-Prince. On parle bien entendu de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. Quelle a été la date de son décès? Est-ce que l'équipe adverse veut essayer? Non. Ben, c'était le 4 octobre 2014. Nouvelle catégorie. Quand on parle d'histoire, géographie n'est pas trop loin. Nous sommes en géographie. Géographie d'Haïti pour l'équipe A, pour le Collège canado-haïtien. Dans quel département se trouvent les îles Cayes-Mété? Département de la Gondance. Bien joué, c'est la bonne réponse. Département de la Gondance. Équipe B, lycée de Pétionville. Dans quel département se trouve l'île de la Tortue? C'est le Nord-Est. Bonne réponse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au bout de la première partie du jeu, de ce match. Nous sommes Télégénie 2018. Nous allons repartir avec la deuxième mi-temps. On commence avec capital et monnaie. Vous connaissez un capital et monnaie? Question A. Quelles sont la monnaie et la capitale du Togo, Collège canado-haïtien? La capitale, c'est Lomé. Voilà, c'était une question à deux volets sur 40 points. Là, vous venez d'obtenir 20 points parce que vous avez répondu à une partie de la question. La capitale, c'était Lomé. La monnaie, lycée Pétionville, vous l'essayez? Non. Ok, on passe à votre question. C'est le franc CFA. Le franc CFA. Ouais. C'est le franc CFA.
Question adressée à l'équipe du lycée de Pétionville. Quelles sont la monnaie et la capitale du Suriname? Panamaribo. Dollar suriname. C'est les bonnes réponses que sont les bonnes. Voilà. C'est dollar surinamien et Paramaribo. Voilà. Donc, question d'invention à présent. Question d'invention. Comptez sur 40 points. En quelle année Internet a été inventé, Collège canado-haïtien? 1969. Non. 1945. Non plus. 1951. Non plus. Trois réponses. Le temps est parti, est écoulé. Est-ce que vous voulez essayer? Non. C'était en 1973. En quelle année, lycée de Pétionville, le téléphone mobile a été inventé? 1972. Non. 1979. C'est la bonne réponse. Nous sommes dans la catégorie art et culture. Collège canado-haïtien, équipe A, première question à vous. Albert Mangonès, il est formé à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à l'Université Cornell de New York. Il est en 1944 parmi les fondateurs du Centre d'art de Port-au-Prince qui joue un rôle important dans la découverte des peintres populaires d'Haïti. Cet homme est l'un des pionniers de la sauvegarde du patrimoine monumental en Haïti. À ce titre, il crée en 1972 le service de conservation des monuments et sites historiques, remplacé en 1979 par un nouvel organisme, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. De quel monument emblématique de l'histoire d'Haïti Albert Mangonès est-il l'auteur en 1968? Le marbre inconnu. C'est la bonne réponse. 50 points. 50 points pour le Collège canado-haïtien. Votre question à présent. Georges Beaussan, diplômé de l'École spéciale et générale d'architecture de Paris, est l'auteur de plusieurs édifices importants à Port-au-Prince pour lesquels il adopte généralement le style néoclassique. L'hôtel Splendide, l'église du Sacré-Cœur de Turgeot, les casernes des Salines, l'hôtel de ville de Port-au-Prince. Ces bâtiments ont été gravement endommagés ou détruits par le séisme de janvier 2010. De quel autre monument important, haïtien bien entendu, est-il l'auteur de 1914 à 1924? Le Palais National. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et c'est un match facile, hein, à ce qui paraît. Hein. C'est un match facile. Hein. Nous sommes en technologie. Vous connaissez en technologie. Donc, la première question va être adressée au Collège canado-haïtien. Le système d'exploitation Windows appartient à A. Apple, B. IBM, C. Microsoft. Quelle est la bonne réponse? Paul. Non. Petit C. Non, c'est question à réponse unique. C'était choix multiple, question à réponse unique. C'était Microsoft. Vous n'avez pas le droit de réessayer. Question pour vous. Lycée national de Pétionville. Le site YouTube appartient à A. Apple, B. Google, C. Yahoo. B. C'est Google. B. C'est Google. Question individuelle à présent. Donc, les questions individuelles sont adressées à un seul joueur ou une seule joueuse. Donc, on n'est plus dans la catégorie des questions collectives. C'est bien compris tout ça, hein? La première question individuelle, œuvre et auteur, va être répondue par, vous allez noter votre nom. Bélange Samy. Bélange Samy, pour le Collège canado-haïtien. Ce roman s'inspire d'un événement historique tragique, le massacre des travailleurs haïtiens de la canne en 1937 en République dominicaine. Hilarion est un pauvre bougre qui, poussé par la faim, commet un vol et se retrouve en prison. C'est là qu'il rencontre Pierre, un communiste qui va lui apprendre à devenir, non pas un homme,
mais un humaniste. Jacques-Stéphane Alexis a le don pour décrire la beauté de son île. On le lit comme on part en voyage et parfois même comme on rêve. À quel titre de la littérature haïtienne fait-on allusion? Compère général Soleil. C'est la bonne réponse! Voilà. Œuvre et auteur pour Lycée National de Pétionville. Ce livre est une réfutation de l'analyse empreinte de racisme de Arthur Gobineau et de l'anthropologie raciste du 19e siècle. À travers ces pages, Firmin dissèque les théories généralement admises en son temps qui hiérarchisaient les races humaines à partir de l'aspect physique, en rehaussant les civilisations bâties par des hommes qui se trouveraient au bas de l'échelle. De quel livre s'agit-il? L'égalité des races. L'égalité des races humaines. L'égalité des races humaines. Merci, lycée de Pétionville. Question de cinéma. Qu'est-ce qui va répondre à la question de cinéma? Abigail. C'est un documentaire où religion, maladie psychique et déni de soi s'imbriquent dans les destins des femmes haïtiennes. Il est réalisé par Jessica Généus en 2017. Donnez le nom de cette production cinématographique. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Je peux vous donner la réponse? C'est Douvanjouka levé de Jessica Généus. Le soleil se lèvera en français. Sortie, question pour vous à présent, vous allez nous dire votre nom. Jonathan. Sortie en 2013, c'est un documentaire réalisé sur le processus de reconstruction entamé immédiatement après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, questionnant l'impact et les conséquences de l'aide internationale. Le réalisateur Raoul Peck expose l'échec de la communauté internationale à travers ses agents dans la gestion de cette aide. Quel est le nom de ce documentaire? Haïti et les ONG. Non. Est-ce que Canado voudrait essayer? Non. C'était assistance mortelle. Et à présent, catégorie des proverbes, proverbe créole. Est-ce que nous avons un grand lacanon qui compte bon créole? Grand-papa? Hein? On va voir. Complétez votre nom avant. Olivier Albertini. Albertini, tu vas compléter pour nous et ce proverbe créole. Chien qui connaît. Vous n'avez pas la réponse. Est-ce que l'équipe non. Du lycée non. Maintenant, bon, c'était chien qui connaît ou c'est lui qui souque quel pour où? C'était ça. Ouais. C'était ça. Alors, complétez lycée de Pétionville le proverbe suivant. D'l'eau pas paix. D'l'eau cap dormi. C'est l'eau cap dormi. Non. Est-ce que vous laissez? Non. D'l'eau pas paix, c'est l'eau poto aller. Voilà, c'était ça. On est en philosophie. On va faire de la philosophie à présent. Donc, catégorie individuelle. Nous sommes toujours en catégorie individuelle. Équipe A, question A. Qu'oppose-t-on d'un point de vue métaphysique à la liberté? A, la nécessité. B, la loi. C, l'obligation. La loi. Malheureusement, c'est... Est-ce que vous voulez essayer? Est-ce que vous voulez essayer? Non, pas vraiment. Donc, les questions à choix multiples doivent avoir des réponses uniques. Ou sont à réponse unique. Donc, vous ne voulez pas essayer. C'était la nécessité. On oppose à la liberté la nécessité. Question de philosophie pour vous, à présent, lycée de Pétionville. Pour les stoïciens, être libre, c'est se conformer à la nécessité. A, c'est faire ce qui nous plaît. B, c'est agir
pour que la réalité soit plus conforme à nos désirs? La réponse correcte, c'est C. Malheureusement, c'était A. C'était se conformer à la nécessité. Voilà. Question de philosophie. Et à présent, on va passer à la dernière discipline de cette catégorie des questions individuelles. Calcul mental. Qui est-ce qui va répondre pour le Collège canado-haïtien? Samantha va répondre pour le Collège canado-haïtien. Qui est-ce qui va répondre pour le lycée de Pétionville? Louis-Jean Wenskin. C'est un bon face-à-face, vous trouvez? Donc on va voir. Et question de calcul mental. Quel nombre complète la série suivante? Écoutez, on va vous donner une série et vous allez compléter la série. Quel nombre complète la série suivante? 1, 3, 9, 27. Vous voulez essayer? Non. Eh bien, c'était 81. Faites le calcul, vous allez voir. Donc, votre série à vous, complétez la série suivante. 1, 4, 8, 13. C'était tout près. C'était 19. Voilà. Et là, c'est les questions éclair. Donc, fini, catégorie individuelle. Là, toute l'équipe en bloc peut répondre à ces questions éclair. Mais je dois vous rappeler que les questions éclair n'ont pas de réplique. Les équipes adverses ne peuvent pas répliquer dans les questions éclair. Les questions éclair sont sur 10 points. Et les questions éclair, c'est une réponse. On y va. Collège canado-haïtien. Question éclair. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cette citation est de qui? Jean de La Fontaine. Bonne réponse. 10 points pour... 10 points pour... Canado. Question éclair pour... lycée de Pétionville. Complétez cette phrase. Un quadragénaire est quelqu'un dont l'âge se situe entre 40 et... 50 ans. Non. 49 ans. Non. Vous avez perdu, je vous demande pardon. C'était réponse unique. Voilà, c'était 49 ans. Voilà, donc question éclair finie. 10 points pour Canado. Et là, on va passer aux questions à risque. On n'est pas loin de boucler ce premier match. Question à risque, question collective. Vous avez droit à une seule réponse. Écoutez ça. Si vous répondez bien, vous gagnez plus 60. Si vous répondez pas bien, vous perdez 60 alors. C'est clair pour tout le monde? Quelle est la période de rotation moyenne du soleil canado? Pas de réplique, on l'a dit. C'était 27 jours. 27 jours. Lycée national de Pétionville, combien de temps faut-il au soleil pour effectuer un tour autour de la galaxie? C'était 220 millions d'années. Donc personne n'y a répondu. Voilà, donc c'est ici que prend fin le match inaugural de Télégénie version 2018. Voilà, mes téléspectateurs, nous sommes de retour pour les résultats de ce match opposant l'équipe du Collège canado-haïtien au lycée national de Pétionville. Donc, c'est le moment de boucler la boucle. Je vous rappelle que c'est Télégénie que vous suivez, la version 2018. Et à présent, le score final, le score que
Les membres du jury ont constaté et par rapport au déroulement de ce match. Donc nous commençons avec l'équipe A. Hein? L'équipe A ou l'équipe B? Bon, moi je commence par l'équipe B. Je donne les résultats pour l'équipe B. Donc sur l'ensemble du match, amis téléspectateurs, chers publics, sur l'ensemble du match, le lycée national de Pétionville a totalisé un score de 480. Sur l'ensemble de ce match, tenez-vous bien, le collège canado-haïtien a totalisé un score de 210. Donc, le grand gagnant du match de ce soir, c'est le lycée national de Pétionville. Donc, merci à vous tous et à vous toutes d'être venus. Merci téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là. Donc, c'est le moment de clore la partie, les salutations d'usage. Chers amis, ça a été un plaisir. Vous venez ici pour les grandes salutations. Merci. Merci d'être venus. Vous saluez entre vous. Merci. Ce fut un plaisir. Donc, à votre prochain match alors. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin le premier match de la compétition Télégénie version 2018. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la 8.